Sous un huissier de justice, on le voit jamais, c'est marrant. Hein. C'est faux cul. Comment on peut vendre son âme à ce point-là? Comment on peut être... Ça veut pas dire que c'est un pourri. Enfin, ouais, ça veut dire. Bienvenue au 43 et changement de sphère. Faux cul, changement de sphère. Ne pas laisser Lucifer, plutôt du Citroën. Eh bien non. Ouais, ouais, il y en a peut-être un quand même. Eh bien non. Morceau d'enculé. Ah, jouer demain. Maître en foireuse, contrôlé par un huissier de justice. Non. C'était le loto avec les matelas gonflables Intex. Morceau de pub de merde, morceau de matraquage de cerveau. Non mais, c'est vraiment de la merde. C'est TF1. C'est vraiment de la merde. Bon, remarque toutes les chaînes. Avec Michel, avec tout le monde, de toute façon, pareil. C'est vraiment de la merde, la télé. Les bons trucs, ils sont... Madame, monsieur, bonsoir. Novembre, oui. On n'a visiblement pas l'intention d'abandonner ses habits d'hiver. Monteur comme un arracheur dedans. Seulement à Tarn, mais aussi à Rouen ou à Nancy. De fortes rafales de vent avec ce mistral glacial à plus de 100 km/h. Certes, vous aviez du soleil, puis on le voit. Encore beaucoup de passages nuageux. Tu joues de l'art ou quoi? Tu connais le problème? Alors, Giboulé, en pleine. Ou tu te vends simplement. À partir de 600 à 1000 mètres, tu vends ton âme? Les reliefs ont été blanchis, ce sont ces. Moi, je dis rien, c'est pas du mal, ça trouve. Elle est gentille. Hein. Les Alpes, le massif central, un peu moins aujourd'hui sur les Pyrénées, qui sont bien blanches, et on voit même la neige sur la montagne. Et on voit bien le vent. Oh, la carte. La carte utérine ou quoi, la carte plasmo truc. On voit exactement bien que. On voit tout de suite. Alors là, hop, un courant du machin. T'en as pas marre de dire de la merde depuis 40 ans, 30 ans, je sais pas combien. Entre l'anticyclone et la dépression. Et que voit-on aussi, c'est que petit à petit, l'anticyclone pousse un peu du coude. Pouf, pouf, aussi bien pouf. Cette perturbation. C'est moi l'anticyclone. En plus, je vous emmerde. Alors, plus si. Sur une partie de la Corse avec des averses, surtout sur le nord et la partie orientale de la Corse. De la neige encore en montagne, du vent et des orages. Partout ailleurs, le temps devrait être sec, mais souvent gris, et notamment avec des nuages. Il doit être beau ton écran en face pour dire de la merde. Toujours ce vent, mistral et tramontagne dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, et la petite perturbation que l'on a vue qui apportera des nuages jusqu'en Ile-de-France, quelques pluies sur c'est des histrions. Ailleurs, vous aurez du soleil et notamment dans le sud-ouest. Voici les températures de la matinée, encore bien basses et déjeunées sont prévues, pas plus de 1 degré pour Bordeaux, jusqu'à 7 degrés près de la Méditerranée. Dans la question, je sais pas si c'est moi qui fais mentir la météo ou si c'est la météo qui ment toute seule. Et non, notamment au nord, entre 6 et 12 degrés, 12 par exemple pour les Bretons. Voici la suite. Et hop, oui, alors mercredi, impeccable. Bon, jeudi, ça va pas. Gouttes sur l'extrême nord du pays. L'anticyclone qui repousse petit à petit ses nuages. De ce fait, jeudi devrait être une journée. Bon, je vais couper, je voulais choper Cantalou. Mais disons, j'ai trop de films là. Et notamment dans le sud, parce qu'il n'y a pas de couverture nuageuse la nuit. Pour vendredi, certainement. Je mangeais ma purée d'une semaine. Et alors. Samedi, on va retrouver.